Bonjour, je suis Ori et je travaille comme ingénieur chez Eoly, le producteur et fournisseur de l'énergie renouvelable de Colruyt Group. Avec Eoly, nous nous investissons entièrement sur l'énergie renouvelable pour contrer activement les effets du réchauffement climatique et contribuer à une société durable. Venez avec moi! D'une part, le but d'Eoly est de combler les besoins en énergie de Colruyt Group grâce à sa production durable. D'autre part, nous fournissons de l'énergie durable aux entreprises. Laissez-nous vous faire découvrir le fonctionnement de l'une de nos éoliennes. L'éolienne est composée de trois parties, le mât, le moyeu et les pales. Cette éolienne mesure 93 mètres de haut. Si nous voulons monter dans l'éolienne, il faut l'arrêter. Cela se fait en manipulant le panneau de contrôle de l'éolienne. Une fois que l'éolienne est stoppée, on peut monter. On peut prendre l'ascenseur ou les escaliers. Prenons l'ascenseur. Nous sommes à 85 mètres de hauteur en un rien de temps. Nous sommes sur la plateforme pivotante. Dans une éolienne, il faut compenser le lacet, un mouvement imprimé par le vent et qui fait pivoter l'éolienne sur son axe vertical. Grâce au moteur de lacet, le moyeu fait toujours face au vent afin d'en tirer une utilisation optimale. La direction idéale est détectée grâce à l'anémomètre situé au-dessus du moyeu. Le moyeu se situe juste au-dessus de nous. Les câbles que nous voyons sont les câbles électriques et de commande qui courent du moyeu vers le bas et qui transportent l'électricité créée. Allez, il reste 10 mètres à gravir sur cette échelle. Nous sommes au cœur de l'éolienne. Les pales fixées au rotor sont mises en action grâce au vent et lui assurent une vitesse de rotation lente. Via une boîte de vitesse, la vitesse est augmentée et envoyée vers le générateur. C'est dans le générateur que l'électricité est produite. Par son fonctionnement, l'installation produit également de la chaleur. Un système de refroidissement interne assure un fonctionnement optimal de l'ensemble. La force du vent se fait bien sentir ici. Elle est même visible. Les senseurs présents sur le toit servent à déterminer la direction du vent, sa vitesse et la température. Ceux-ci nous permettent d'arrêter automatiquement l'éolienne si les conditions météorologiques se détériorent. Les pales font 55,8 mètres de long. L'angle des pales est réglé automatiquement, de sorte qu'elles soient toujours idéalement positionnées. À partir d'un vent d'une vitesse de 10 kN par heure, l'éolienne peut fonctionner. La puissance maximale que cette éolienne peut fournir est de 3,4 MW. Cette énergie profite à 1800 ménages annuellement. Elle permet d'éviter le rejet de 2000 tonnes de CO2. J'espère que vous avez apprécié la visite virtuelle à l'un de nos éoliennes et mes meilleures salutations au nom de toute l'équipe d'Eoly.